Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais customiser une boîte de conserve. J'ai relevé un peu l'anneau pour pouvoir aisément saisir le couvercle. J'ai allongé une bande de papier parce que le papier scrap fait 30,5. Du coup, j'ai dû coller un plus petit bout pour pouvoir faire 33 sur 11,2. Je vais ancrer le bord de cette bande. Pour le couvercle, je me suis fait un gabarit, un cercle de 4,8 de rayon. J'ai plié en deux une première fois et en deux dans l'autre sens afin d'avoir le centre. De 2,8 cm, je suis venue faire un trait de 2 cm sur 4 mm, ce qui me donne ceci, que je vais ancrer aussi. Ça va venir ici, se loger là, voilà. Je vais coller tout ça et vous retrouve. Voilà, la boîte est collée. Je suis venue appuyer bien pour faire adhérer la colle. Le couvercle, hop. Donc voilà, le couvercle et le tour. C'est collé, on n'a plus qu'à coller quelques fleurs. On va cacher cette bande pas très jaunie. Alors j'ai fabriqué quelques fleurs, j'ai trouvé des plumes, d'autres fleurs, des boules, enfin, un petit peu de tout, de la dentelle. Et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. J'ai de la belle dentelle, j'ai envie de la mettre, de faire un tour en haut et en bas. Bon, je vais faire ça. Alors, avec de la colle chaude. Là. Ensuite, mettre une fleur là. À l'intérieur, je vais y mettre un petit strass, un petit point de colle chaude. Voilà. Donc, une petite ici. Avec un cercle, je vais faire mon bouquet.
Alors, j'aimerais une bleue, une blanche peint dessus. Je vais mettre une petite boule. Bah voilà, la boîte terminée. Il n'y a plus qu'à faire un peu le tour pour enlever les fils qui sont restés dessus. Je voulais vous faire voir également celle de ma copine Marie-Jo qui m'en avait fait une chabie. À bientôt, bye bye.